Le projet CacheWin est une plateforme qui se fixe pour ambition de fournir des données statistiques de qualité, fiables et actualisées sur la filière anacarde au Burkina. CacheWin est une composante du projet Pro CacheWin et s'étend jusqu'en 2024. Cette plateforme sera mise en œuvre ici, au Burkina Faso, par un comité de pilotage présidé par le Conseil burkinabé de l'anacarde CBA. Un comité de pilotage qui regroupe en son sein les représentants de tous les maillons de la filière anacarde. Le projet CacheWin vise la mise en place d'une plateforme d'information et de données au niveau de la filière anacarde. Donc dans sa stratégie, Development Gateway a une approche assez participative qui vise réellement d'identifier les parties prenantes au niveau de chaque pays, d'identifier les organes de régulation qui gèrent les filières dans lesquelles ils doivent intervenir. Nous étions déjà dans cette dynamique de mise en place d'un certain nombre d'informations à travers notamment la cartographie des vergers, une étude que nous avons déjà entamée, la mise en place d'un système d'information sur le marché dont les études sont en cours, le fait que CacheWin prend en compte tous ces paramètres-là, c'est une opportunité que le Burkina doit saisir, c'est une opportunité que le CBA doit saisir. Le projet CacheWin sera donc d'un apport capital pour la filière anacarde au Burkina. Une filière porteuse en pleine structuration, d'où l'engagement du gouvernement pour sa réussite. De façon permanente, ce comité de pilotage va se réunir et les données vont être analysées et permettre donc au ministère, qui est donc le ministère de tutelle, de remonter l'information au plus haut niveau parce que l'anacarde est devenue l'une des filières porteuses de Burkina Faso et donc l'intérêt pour le gouvernement n'est plus à démontrer. Cet outil, au regard de son importance pour la filière anacarde, doit demeurer même à la fin du projet. C'est l'un des vœux les plus chers des acteurs présents à cette cérémonie de lancement du projet CacheWin.